Des rouges chez les verts, l'affiche est inédite et toute petite, mais les billets d'entrée recherchés. Moi deux, s'il vous plaît. À peine ouverte, la billetterie est prise d'assaut. Plus d'une centaine de places vendues en moins de 20 minutes. Ce sont des fidèles de l'ASF impatients de voir leur équipe affronter l'OM, mais pas seulement. Moi, je suis un fidèle de Saint-Etienne, mais pas de l'ASF. Mais bon, chaque occasion est bonne pour venir les supporter, donc pourquoi pas venir, ça fait l'occasion. Bah, c'est une belle affiche et c'est le moment d'aller supporter. Ils jouent à Jean-François Guichard, donc ça sera un grand spectacle. Vu que Marseille ne sont pas non plus en grande forme, on espère, oui, bien sûr, la victoire. En sachant que oui, ce sera dur. Une aventure, une expérience aussi pour les bénévoles du club amateur d'Andrézieux Boutéon. Ils vont se relayer dans la boutique des Verts tous les après-midi jusqu'au match pour écouler les 25 000 places prévues pour l'événement. Depuis l'ouverture, c'est du non-stop. On n'arrête pas, mais c'est ce qui nous attendait. De toute façon, le premier jour des préventes, il y a toujours la grosse affluence. Mais pour les fidèles de l'ASF, le club a aussi ouvert une seconde billetterie dans son QG. C'est placement libre en fait, vous mettez où vous voulez. Comme beaucoup, j'aurais préféré qu'ils jouent ici à l'Envol. Au niveau sportif, ça aurait été moins déstabilisant pour nos joueurs. Jouer à domicile, c'était le choix de départ du club. Mais très vite, le président et son équipe ont préféré investir Geoffroy Guichard. Le stade de l'ASS dispose de plus de places et surtout plus de sécurité. C'est un vrai bonus, mais malheureusement, c'est des frais aussi en plus du coup, puisqu'au niveau sécurité, il faut faire pour 25 000. Pour vous dire, c'est quand même un coût de entre 120 et 130 000 euros pour le club au niveau frais. Pour entrer dans ces frais, l'ASF devra au moins vendre 15 000 entrées. Le reste sera du bonus pour le club comme pour les joueurs qui fouleront pour la première fois de leur vie une pelouse de Ligue 1.